بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Saad, par le Coran, au renom glorieux. Ceux qui ne croient pas, imbus d'eux-mêmes, sont en dissidence. Combien avons-nous anéanti de générations avant eux? Elles appelèrent à l'aide, mais hélas, l'heure n'était plus à la fuite. Ils s'étonnent que l'un d'entre eux vienne les avertir, et les mécréants disent « C'est un magicien, un charlatan. » Réduirait-il nos divinités à un seul et unique Dieu? Voilà vraiment une chose stupéfiante. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. Leurs notables partirent en disant « Allez-vous-en et restez fidèles à vos divinités, car il s'agit certainement d'un plan élaboré contre vous. Nous n'avons jamais entendu parler de cela dans la dernière religion, alors ce n'est rien d'autre qu'une pure invention. Quoi ? N'aurait-on révélé leur appel qu'à lui seul parmi nous ? Mais ils sont dans le doute au sujet de mon rappel, n'ayant pas encore goûté à mon châtiment. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. Ou serait-ce qu'ils détiennent les trésors de la miséricorde de ton Seigneur, le Puissant, celui qui donne sans compter? Ou détiendrait-il le royaume des cieux et de la terre, de même que tout ce qui existe entre les deux, qu'ils y montent donc par n'importe quel moyen? Voilà une troupe de coalisés qui sera défaite sur place. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Avant eux,
le peuple de Noé, les Hades, Pharaon, au pouvoir fermement établi, les Samouds, le peuple de Lot et les gens d'El-Aïka ont tous rejeté leurs messagers. Voilà les coalisés. Il n'en est aucun qui n'ait rejeté les messagers. Par conséquent, mon châtiment était parfaitement justifié. Ceux-ci n'auront à attendre qu'un cri, un seul qui ne sera pas répété. Et ils disent, en se moquant, « Notre Seigneur, hâte-nous notre sentence avant le jour des comptes. » اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Endure patiemment ce qu'ils disent et rappelle-toi David, notre serviteur doué de force, qui toujours se tournait vers Dieu, plein de repentir. Nous fîmes en sorte que les montagnes chantent les louanges de Dieu en sa compagnie, au crépuscule et à l'aube. De même que les oiseaux, assemblés à ses côtés, tous se tournaient vers Dieu. Et nous rendîmes puissant son royaume et lui donnâmes la sagesse et un bon sens du jugement. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. L'histoire des plaideurs t'est-elle parvenue? Ces derniers escaladèrent le mur du sanctuaire et entrèrent dans la chambre royale. Ils firent irruption auprès de David et effrayèrent ce dernier. Ils lui dirent « N'aie pas peur, nous sommes deux plaideurs. L'un de nous a causé du tort à l'autre. Juge donc en toute équité entre nous. Ne sois point injuste et guide-nous vers le droit chemin. » إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. Cet homme que voici est mon frère Philin. Il possède 99 brebis. Je n'en ai qu'une seule. Il m'a dit « Confie-la moi » et il fut le plus fort dans la discussion. David dit « Il fut injuste à ton égard, en te demandant de joindre ta brebis aux siennes. Beaucoup de gens briment les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, et ces derniers sont rares. » David comprit alors que nous l'avions mis à l'épreuve par cet exemple. Alors il demanda pardon à son Seigneur, tomba prosterné et se repentit. فغفرنا له ذلك
وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Nous lui pardonnâmes, il sera certes un de nos rapprochés. Et un heureux destin lui est réservé dans l'au-delà. Ô David, nous avons fait de toi un calife sur terre. Juge donc en toute équité entre les gens, et ne suis pas tes passions. Elles risquent de t'égarer du sentier de Dieu. Certes, ceux qui s'égarent du sentier de Dieu recevront un terrible châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Ce n'est pas en vain que nous avons créé le ciel, la terre et tout ce qui existe entre les deux. C'est là ce que pensent les mécréants. Et malheur à ceux qui ne croient pas, le feu les attend. Traiterons-nous ceux qui croient et font le bien, de la même manière que ceux qui sèment la corruption sur terre, ou traiterons-nous les pieux comme les malfaisants ? كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ceci est une écriture bénie que nous t'avons révélée, afin qu'ils méditent sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. À David, nous fîmes don de Salomon. Quel excellent serviteur il fut, et il était toujours prompt au repentir. Quand un après-midi, on lui eut présenté de magnifiques chevaux de course, il se dit « Voilà que j'ai préféré les biens éphémères de ce monde, au point d'oublier le rappel de mon Seigneur. Le soleil est déjà couché, et je n'ai pas prié. » Alors il ordonna « Ramenez-moi ces chevaux », et il les fit passer au fil de son épée, leur coupant les pattes et le cou. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص
آخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Et nous avons certes éprouvé Salomon en plaçant sur son trône un corps sans vie. Alors il se repentit. Il dit, « Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume que nul ne possédera après moi. Tu es certes celui qui donne sans compter. » Nous rendîmes alors le vent soumis à lui et par son ordre, il le déposait avec douceur partout où il voulait aller. Et les démons, les bâtisseurs et les plongeurs de toutes sortes furent soumis à lui. Et d'autres encore, enchaînés deux à deux. Voici nos largesses, Salomon. Dispense-les ou retiens-les, sans avoir à en rendre compte. Il sera certes un de nos rapprochés, et un heureux destin lui est réservé. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Et mentionne-leur Job, notre serviteur. Il invoqua son Seigneur. Certes, Satan m'a infligé détresse et tourments. Frappe le sol de ton pied, il en sortira une source d'eau fraîche pour te laver et boire. Et nous lui rendîmes sa famille et la fîmes deux fois plus nombreuse. Ce fut là une miséricorde de notre part et un rappel pour les gens doués d'intelligence. Et il lui fut dit, « Prends dans ta main un faisceau de brindilles et frappe-en ton épouse, afin de ne pas manquer à ton serment. » Certes, nous l'avons trouvé vraiment patient et il était un excellent serviteur, toujours prompt au repentir. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. Et fait mention aussi de nos serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob, hommes aussi forts que clairvoyants. Nous leur avons accordé une rare distinction, celle d'avoir toujours l'au-delà à l'esprit lorsqu'ils œuvraient. Ils sont auprès de nous, parmi les meilleurs élus. Et fait mention d'Ismaël et d'Élisée, ainsi que de Zulkifl, chacun d'eux fut élu. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Ceci est un rappel, et pour les pieux, un heureux destin est réservé dans l'au-delà. Devant eux s'ouvriront toutes grandes les portes des jardins d'Éden. Là,
ils s'allongeront et demanderont des fruits en abondance, de même que des boissons délicieuses. Et auprès d'eux, ils auront des compagnes au regard chaste, toutes du même âge. Voilà ce qui vous est promis pour le jour des comptes. Ces largesses, vous les recevrez de nous et elles seront inépuisables. وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. Quant aux rebelles, il aurait réservé le pire destin dans l'au-delà, l'enfer où ils brûleront. Quelle horrible demeure dernière! Là, ils goûteront tour à tour une eau bouillante et un affreux breuvage glacé, de même que d'autres tourments tout aussi horribles, composés de deux extrêmes. Voici une foule précipitée avec vous dans l'enfer, nul bienvenu à eux, les voilà affrontant le feu. Ils disent : c'est plutôt à vous que nous disons, nul bienvenu, c'est vous qui nous avez devancés dans la mécréance. Et quel mauvais lieu de fixation que le nôtre. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. Puis ils ajouteront, implorant Dieu, Seigneur, fais que ceux qui nous ont pavé le chemin jusqu'ici subissent un double châtiment dans le feu, et ils se demanderont. Qu'avons-nous à ne pas voir des hommes que nous comptions jadis parmi les malfaiteurs? Avons-nous eu tort de nous moquer d'eux? Ou est-ce que ce sont nos yeux qui n'arrivent pas à les voir en enfer? Telles seront en vérité les récriminations des habitants du feu. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. Dis-leur, je ne suis qu'un avertisseur. Et il n'est de divinité que Dieu, l'unique, le grand dominateur des tyrans. Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui existe entre les deux, le puissant, le pardonneur.
dit : Ceci est un message très important, duquel vous vous détournez. Je n'avais aucune connaissance des informations échangées parmi les dignitaires suprêmes au moment où ils discutaient. Mais ceci m'a été révélé au même titre que ma mission, qui consiste à avertir les gens sans détour. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain à partir de boue. Lorsque je l'aurai bien façonné et que je lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous prosternés devant lui. Alors tous les anges se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui se montra arrogant et qui devient ainsi mécréant. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. Dieu lui dit: Ô Iblis, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Serais-tu trop arrogant ou ferais-tu partie des hauts placés? Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu, tandis que lui, tu l'as créé d'argile. Dieu dit : Sors d'ici, te voilà banni, et ma malédiction te suivra jusqu'au jour du jugement. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. Iblis répondit: Mon Seigneur, accorde-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Dieu dit : Tu es de ceux à qui un délai est accordé. Jusqu'au jour du terme fixé, alors par ta puissance, fit Iblis, je les séduirai assurément tous, à l'exception de tes serviteurs élus parmi eux. Dieu répondit : En vérité, et c'est la vérité que je dis, j'emplirai certainement l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. Je ne vous demande aucun salaire pour cela, et je ne suis pas un maniéré. Ceci n'est autre qu'un rappel à l'univers. Vous en aurez bientôt des nouvelles.